Patrick. Bon, on y va tous les deux. Bonjour à tous. Ouais, c'est toujours difficile le démarrage avec le micro. Donc, bonjour à tous. Je suis Patrick Poirier, donc très heureux de vous accueillir dans cet endroit fabuleux. Alors, je vais faire un petit teaser. Je viens de goûter le gâteau au chocolat que vous dégusterez par la suite. C'est une vraie tuerie. Donc, faites attention parce qu'il faut vraiment être concentré pendant les quelques minutes qui vont suivre. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici donc, pour la présentation de cette nouvelle gamme C'est moi bio. Et donc, pour faire cette présentation, on est venu en force avec une équipe C'est moi nombreuse. Je vais commencer. Ensuite, je passerai la parole à Patrick Collin, qui est le directeur général du groupe. Jean-Marc Laurence vous parlera un peu de la partie qualité et R&D sur nos produits. Et Maud Clarissou vous parlera de la partie marché. Sur nos produits C'est moi et C'est moi bio. On a de la chance aujourd'hui, en plus on a le soleil, donc le chocolat plus le soleil, ça va faire un truc fabuleux. Et juste pour le signaler, donc on est tous en live, je crois qu'il y a déjà 2000 connectés qui nous regardent en ce moment. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui sont loin en plus. Donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire de l'entreprise. La marque C'est moi est née donc en 1920 à Grenoble. Donc c'était une marque régionale. La région de Grenoble est une région qui est riche dans une tradition agroalimentaire. Et la petite histoire, en fait, les chocolats C'est moi s'appelaient au départ les chocolats dauphins. Et il y a eu un partage dans une famille qui fabriquait des pâtes qui étaient plutôt très connues. Et donc il y a eu un partage et quelqu'un a dit les pâtes c'est moi et le chocolat c'est moi. Et donc le chocolat dauphin est devenu le chocolat c'est moi. Donc une petite histoire intéressante, mais qui donne bien, je dirais, le relief familial, le relief traditionnel qu'on a autour de cette marque, c'est moi. La famille Poirier, comment est-ce que nous on est arrivé là-dedans? En 1962, mon grand-père a racheté une petite chocolaterie à Perpignan, et puis cette petite chocolaterie a grandi, donc nous a permis de progresser en France, en Europe et dans différents métiers autour du chocolat, mais toujours avec cette idée que si on veut faire du chocolat, si on veut faire du bon chocolat, il faut partir de la matière première d'origine, donc de la fève de cacao, et donc pouvoir sélectionner ces fèves de cacao pour pouvoir travailler et fabriquer le meilleur chocolat. J'insiste sur ce point parce que vous avez beaucoup de chocolatiers aujourd'hui qui ne partent pas du chocolat ou qui ne partent même pas du cacao. Donc c'est une vraie tradition, c'est un vrai savoir-faire que nous avons au sein de notre entreprise. Dans les années 90, l'entreprise se développant, il a fallu choisir une marque porte-drapeau, et tout naturellement, c'est la marque C'est moi qui a été choisie comme porte-drapeau, comme image du groupe pour porter, je dirais, la qualité du chocolat français fabriqué par notre entreprise. Et donc, on a changé le nom du groupe en groupe C'est moi. 2015, c'est une année très importante pour nous aussi, puisque 2015, nous avons entrepris énormément d'actions de cacao durable en pays producteurs et en fait globalement pour expliquer comment ça fonctionnait, tout ce qu'on faisait dans nos différentes initiatives, on a décidé de regrouper ça au sein du programme transparent pour pouvoir l'expliquer à la fois aux consommateurs finaux, à nos clients, puisqu'encore une fois, ce qui est simple à expliquer passe beaucoup mieux en termes de compréhension. Et donc on arrive cette année sur une gamme cacao chocolat biologique qui va vous être présentée aujourd'hui, qui est vraiment l'aboutissement de cette démarche de filière. Quelques chiffres, puisque tout le monde aime les chiffres, au moins certains aiment les chiffres. Donc on est une entreprise familiale indépendante. Moi, je représente la troisième génération de la famille Poirier, à la tête de cette entreprise. Premier chocolatier français, donc on est très attentif sur son nom chocolatier, puisqu'on part de la fève de cacao, on fabrique notre chocolat, on est des chocolatiers de bout en bout sur la production de nos produits. Le chiffre d'affaires est à 750 millions d'euros
et nous avons aujourd'hui qu'un site de production. Et donc, ce qu'on dit souvent chez nous, c'est qu'on a à peu près toujours un site de production de Semoy à moins de 200 km de son domicile, puisque nos sites de production sont répartis, gérés dans toute la France, et où on est géré, on travaille en plus beaucoup de spécialités régionales. On parlait de Grenoble, mais on fait des chartons des Alpes à Chambéry, on fait de l'ourson de guimauve à Villeneuve-d'Ascq. Donc on a su mettre en avant les spécialités régionales de chaque raison. Globalement, ça fait quoi? 200 000 tonnes de produits vendus chaque année, et à peu près 50% qui vont être vendus par le réseau produits consommateurs, et la moitié qui va être vendue par un réseau B2B, puisque comme nous sommes chocolatiers, bah, nous vendons du chocolat à des personnes qui utilisent du chocolat pour faire des biscuits, pour faire des glaces, et puis aussi à des merveilleux artisans qui vont magnifier ce produit bah, pour faire des gâteaux. Et donc aujourd'hui, vous aurez la chance de goûter encore une fois une tarte au chocolat, et je fais du teasing, mais elle est tombée par terre. Voilà. Globalement, aujourd'hui, on est 3 300 collaborateurs dans le groupe, avec une majorité de personnes travaillant en France. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter cette gamme de chocolat français. Pourquoi est-ce qu'on a tout regroupé autour, je dirais, de cette vision du cacao, du chocolat transparence? Parce que nous, quand on parle de chocolat, on parle de qualité. Et c'est vrai que la qualité, c'est un grand mot, donc autant toujours travailler sur nos 4 piliers. Donc une qualité alimentaire, ce que demande le consommateur, bien sûr, c'est une meilleure traçabilité, une traçabilité la plus impartiale possible. Une qualité aromatique, puisqu'on est sur un produit plaisir. Clairement, on n'a pas besoin de chocolat pour vivre. Par contre, on a besoin de plaisir. Et le chocolat, c'est du plaisir. La qualité du planteur, puisque aujourd'hui, on a vraiment, le consommateur demande à comprendre comment ce cacao est produit, où sont les planteurs, qui sont les planteurs et comment ils vivent. Donc nous sommes, c'est notre devoir de travailler avec les planteurs pour améliorer leur qualité de vie. Et puis la partie qualité environnementale, ça c'est un point qui nous tient vraiment à cœur. On a été parmi les précurseurs sur la réimplantation d'arbres d'ombrage au sein des plantations de cacao, et on a été, je dirais, classé aujourd'hui par des ONG, par une ONG qui s'appelle Mighters, pour la qualité de notre programme de transparence sur cette partie environnementale. Donc on est plutôt fiers de cette reconnaissance. Souvent, on entend des personnes qui parlent des ONG en disant c'est compliqué, mais moi je pense que les ONG sont là aussi pour faire bouger les mentalités, pour expliquer aux consommateurs pourquoi c'est important de pouvoir faire des choix. Donc je vais passer la parole à Jean-Marc Laurence, qui va vous parler beaucoup plus de cette partie du programme Transparence, mais beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Merci Patrick. Oui, je ne sais pas si je vais parler beaucoup mieux que Patrick du programme Transparence. D'habitude, j'en parle plutôt en brousse dans les villages avec les producteurs et c'est un grand honneur de vous le présenter aujourd'hui. Donc Patrick vous l'a dit, le programme Transparence, c'est 100% de notre sourcing cacao. Bien évidemment, le cacao bio que nous approvisionnons dans le groupe Semoy vient aussi, lui, de ce programme Transparence. 4 piliers au programme Transparence, mais une donnée d'entrée unique, qualité. Alors, avec des particularités, des spécificités liées au bio, liées aux exigences et au cahier des charges de l'agriculture biologique. Le premier pilier, la qualité alimentaire. Ce pilier ne peut se mettre en place et ne peut être pertinent que si il y a une réelle implication des équipes Semoy sur le terrain, une vraie présence sur le terrain. Cette présence sur le terrain nous permet de mettre une traçabilité en place. Pas une traçabilité papier, digitale, dans un bureau, dans un siège social, mais une vraie traçabilité qui part du producteur, qui passe par la coopérative, qui passe par l'usine, qui transforme les fèves de cacao jusqu'aux usines françaises qui prennent ce cacao et qui en font un chocolat. Ces fèves de cacao sont tracées. Quand je dis tracées, ce n'est pas une vue de l'esprit, elles sont identifiées. Chaque sac de cacao est identifié. Chaque sac est ségrégué, c'est-à-dire séparé du flux normal, et suivi pas à pas jusqu'à nos installations, dans des zones notamment de stockage dédiées, de chez le producteur, en passant par la coopérative et tout au long de la filière de transformation. Donc la qualité alimentaire, c'est ça, c'est avant tout la traçabilité, savoir d'où vient le cacao,
qui s'en occupe à chaque étape du process. Cette qualité alimentaire, cette traçabilité nous permet d'intervenir aux étapes clés qui créent l'aromatique. Souvent, on considère que l'aromatique d'un chocolat, c'est le savoir-faire chocolatier. C'est vrai, j'estime à 50%. 50% de l'aromatique se crée avec la sélection des fèves, avec la transformation des fèves, dans une étape clé qui s'appelle la fermentation. Donc cette qualité aromatique, cette présence de ces mois sur le terrain, nous permet de monitorer, de maîtriser la fermentation, de faire toutes les analyses à toutes les étapes de la filière et de mettre au point directement avec les coopératives et de l'enseigner, de former les producteurs aux bonnes méthodes de fermentation. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'élaboration du produit. Qualité de vie du planteur, Patrick en a parlé. Les planteurs sont des planteurs volontaires qui se sont engagés dans le programme Transparence. Il y a un accompagnement des équipes de ces mois, mais il y a un engagement, un devoir aussi de ces planteurs. Même s'ils sont mieux rémunérés, on parle à peu près d'une prime de 40% au-delà du conventionnel dans le bio, même s'ils s'engagent à respecter le cahier des charges bio, ces mois demandent à ces planteurs de s'engager au-delà de la réglementation, hein, de faire des contrôles qui vont au-delà des moyens demandés par la réglementation. Et en échange, nos équipes les accompagnent, les amènent à une professionnalisation, une rémunération plus importante qui leur permet notamment de mieux scolariser leurs enfants, ce qui est toujours une problématique dans la filière cacao. Ces planteurs, ces coopératives, mieux formées, mieux accompagnées, plus sensibilisées aussi, notamment aux problèmes de la déforestation. La déforestation, c'est souvent un palliatif pour mieux produire, plus produire rapidement. Il y a d'autres méthodes, notamment des méthodes d'agronomie qui permettent aux planteurs d'augmenter la productivité sans forcément passer par de la déforestation. Donc, toute cette formation sur les quatre grandes règles d'or de l'agronomie chez ces mois que nous retrouvons ici sont perpétuellement accompagnées, formées, monitorées par des ingénieurs agronomes de chez ces mois qui sont tout le temps sur le terrain pour accompagner les planteurs. Donc, quatre grandes règles. Protection des forêts. On ne va pas dans les forêts classées, par exemple. Préservation des écosystèmes. Ça passe par le développement de l'agroforesterie. On essaie de mettre ensemble des essences végétales qui vont ensemble, qui ont des synergies, qui protègent notamment le cacao. Et une formation globale de ces planteurs à l'ensemble de ces méthodes. Donc j'aurai tout à l'heure, si ça intéresse quelques-uns, le manuel des pratiques agronomiques que nous avons élaboré, mis en place et que nous distribuons et accompagnons en brousse. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a parlé du groupe, on a parlé de son histoire, on a parlé de ce que l'on fait avec et aux côtés de nos planteurs sur les pays où on a implanté. Je vous propose maintenant, au travers d'un petit film, de repasser au travers de ce que fait le groupe C'est Moi pour arriver petit à petit, puisque c'est le but de cette présentation, au lancement de notre gamme bio dont on est très fier. Mais avant cela, une petite rétrospective sur les périmètres que couvre C'est Moi en termes de produits. Enfants, parents, professionnels, il existe au moins un chocolat C'est Moi qui nous ressemble et des milliers de chocolats C'est Moi qui nous rassemblent. Depuis 1920, C'est Moi cultive tous ces moments qui font de nous des amoureux du chocolat. La petite douceur qui accompagne votre café, c'est nous. Le secret qui fait de vous un pâtissier acclamé par vos amis, c'est nous. Le trésor gourmand qui attise la curiosité des petits chercheurs de Pâques, c'est encore nous. Et le cadeau précieux et savoureux à offrir à ceux que vous aimez, c'est toujours nous. Parce qu'il n'y a pas de bon chocolat sans bon cacao, chez C'est Moi, nos chocolats sont issus des plantations respectueuses de la terre et de ceux qui la cultivent.
petits plaisirs quotidiens ou grandes occasions, avec C'est moi, il y a toujours un prétexte pour se régaler et de la gourmandise à partager. En 2019, C'est moi présente son positionnement avec un nouveau porte-parole qui va faire du bruit et une nouvelle identité qui affirme et proclame le savoir-faire de C'est moi. Moi, le chocolat, c'est nous. Voilà, donc une petite présentation donc de ce qu'est ce nouveau logo. Alors, le logo dont on est très fier, puisque comme vous pouvez le voir, il y a une claire évolution entre celui qu'on avait jusqu'alors et celui qui sera porté par nos produits à partir donc de ce mois-ci. Et en fait, ce logo, il illustre à la fois l'histoire et les valeurs de ces mois qui se traduisent par de la passion, bien sûr, une entreprise familiale, plusieurs générations, une petite française, où on part. Un micro. National, mais on essaie avec nos 2200 collaborateurs français et 3300 à peu près dans le monde de porter ces valeurs de passion, de partage. On essaie d'innover. À Perpignan, Jean-Marc gère un laboratoire de recherche qui permet d'élaborer les produits, vous en parlerez un peu plus tard. Et puis, bien sûr, l'engagement et une valeur forte qui est le Made in France. On a 10 sites de production. On est là aussi pour faire en sorte que les territoires français continuent de vivre au travers de nos usines et des salariés que l'on fait vivre et qui vivent avec nous. Alors, ce nouveau logo, très clairement, le film vous le présentait, il a pour vocation de réveiller un peu la marque C'est moi et d'en faire porter ce qui a fait son histoire et finalement sa réussite, et on veut porter cette réussite plus haut. Donc des valeurs familiales et un chocolatier, on l'a dit, donc une maîtrise totale de la filière de A à Z. Bien entendu, des origines et une fabrication française. Une explosion de saveurs que, comme vous l'avez vu dans le film, on fait tous les types de chocolat qui peuvent exister, de produits finis, de produits saisonniers, de produits utilisés par les pâtissiers, comme vous pourrez le voir derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on se revendique premier chocolatier français, alors que finalement, l'opportunité que vous avez de voir notre marque, elle est finalement pas si grande que ça. On espère qu'elle le sera plus grande demain avec ce lancement des tablettes et ce renouveau de la marque. Mais on est présent dans plein de produits sans forcément que la marque, vous la voyez vous, au travers de biscuits, de glaces, de yaourts, et au travers de professionnels qui nous font confiance et à qui on vend du chocolat que l'on fabrique dans nos structures. Et puis enfin, donc, un logo quand même qu'on a voulu aussi attaché au passé, puisqu'en fait, ce logo C'est moi, c'est finalement le premier logo de la marque un peu revisité qui existait dans les années 1920. Et puis le coq qu'on a repris d'une boîte de poudre chocolatée des années 20, qui était le coq Matina, et qui sera finalement le porte-voix de la marque. Donc il y a un petit côté décalé, mais on se veut décalé, encore une fois, pour justement marquer notre identité, notre différence. Donc un coq qui sera le porte-parole de notre marque et de tous les slogans et de tous les messages que l'on voudra passer dans sa remarche. Voilà, et donc je propose que Maud vous propose en détail cette gamme bio dont on vous parle maintenant depuis quelques instants, mais que vous avez envie de déguster, j'imagine. Bonjour à tous. Ah oui, ça marche avec moi. Donc avant de vous présenter la gamme, je vais vous parler un petit peu du marché. Juste pour qu'on ait en un clin d'œil une vision globale de ce marché bio, qui est un marché qui est en forte croissance, qui a doublé sur ces 5 dernières années. Là, si on est sur un environnement produit de consommation en général. Et puis, on sait que sur les tablettes, on est aussi concerné, puisque 21% des Français ont acheté du chocolat bio en 2018. C'est intéressant quand on regarde ce chiffre-là. Dites-vous qu'en 2005, il y avait à peu près un Français sur deux qui achetait des produits bio.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a 9 sur 10. Donc, ce marché du bio, il est réellement en croissance et réellement en croissance aussi sur les tablettes. Donc, vous avez à droite l'évolution des chiffres marché sur 2018. Donc, on a des tablettes qui connaissent une croissance de 17% en volume, 20% en valeur, sachant que le marché des tablettes, il est en croissance de 1,6% en valeur, de manière globale. Donc, vous voyez qu'on a une croissance de 20% sur le bio versus 1,6% sur les tablettes. Si on revient sur ces mois, donc effectivement, avant de vous présenter ces tablettes, je vous fais un petit peu patienter. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est la seule gamme de tablettes. De chocolat sur le marché de la tablette. Donc, un des éléments clés, je vous ai dit, le Made in France, le savoir-faire de filière, une gamme complète. Donc, vous allez découvrir 10 références. 10 références, c'est beaucoup. On adresse tous les segments quasiment de consommation de la tablette. On a des tablettes qui ont été validées par le consommateur avec 90% d'intention de réachat. C'est très fort. Parce qu'on a réellement voulu mettre derrière cette gamme en avant le côté gourmand. Aujourd'hui, le consommateur de bio, ce qu'il va attendre, en premier, effectivement, c'est cette notion de responsabilité. En deuxième, vous allez avoir la notion de local. On sait que le consommateur de bio donne la priorité à des produits qui sont fabriqués en France. Mais surtout, le point qui est le plus important, c'est que ce qu'il attend, c'est du goût. C'est le premier critère de choix, mais c'est aussi le premier critère de non-réachat. C'est-à-dire que parfois, il achète un produit bio par conviction et il ne le rachète pas parce qu'il est déçu par le goût. Donc nous, on a vraiment travaillé sur cet aspect de gourmandise à travers l'ensemble des tablettes qu'on va vous présenter. Donc pour cela, on dit qu'on est la gamme la plus gourmande du marché. Donc la voici, cette gamme. Donc 10 références, je vous le disais, les gros points forts de cette référence de manière globale. Sans additifs, sans colorants, arômes naturels, cacao durable, issu de notre filière intégrée, lait français. Donc on est vraiment sur un maximum de points d'attention qui vont normalement faire la différence sur le marché. Avec, en dehors de ça, notre capacité à adresser tous les instants de consommation du chocolat. Donc Patrick vous l'a dit, c'est un élément fort de la marque C'est Moi. On est une marque qui accompagne le consommateur à tous les instants de consommation, que ce soit à Noël, que ce soit à Pâques. Mais ici, à travers ces tablettes, on sait que le consommateur va acheter et va attendre différentes choses. Quand il achète du chocolat dégustation, on n'est plus sur une cible adulte. Le consommateur va peut-être être dans une approche gourmet. Et là, il va être réceptif aux notes florales et fruitées de cette gamme et au fort pourcentage de cacao. Ici, à travers cette gamme familiale, donc vous avez ces trois références, ici, où le point les Français est d'autant plus important que cette tablette de chocolat familiale, elle peut être dégustée au goûter, donc en complément d'un bon verre de lait ou d'un verre de jus de fruit. Donc on est vraiment sur, pour le coup, une offre de produits qui va adresser une offre familiale à dominante enfant. Sur la suite, vous allez adresser le segment des pâtissiers, qui est important aussi, qui est une grosse partie de la consommation de chocolat, de tablettes. Et enfin, la spécificité de notre gamme, c'est aussi cette belle gamme, ces belles trois tablettes gourmandes donc, que vous allez découvrir ici. Vous avez les noisettes entières, le lait français amande raisin et le noir orange de fève de cacao. Donc moi, ma préférence personnelle, elle va sur le lait français amande raisin. On va vous la faire déguster. Après, chacun a ses goûts. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle combine à la fois le craquant et le fruité avec un chocolat au lait fondant. Donc vous me direz par la suite ce que vous en pensez. Un point qui est important, c'est que toutes ces tablettes racontent aussi l'histoire qu'on vous a expliquée avant. Donc au dos, vous retrouverez le coq Matina et tout le savoir-faire chocolatier, c'est moi, qui va de la maîtrise amont jusqu'au plaisir gustatif du consommateur. Et je passe la main à Jean-Marc. Bien, je reviens vous voir et vous parler de cette gamme avec ma casquette R&D cette fois-ci.
Parce que, vu comme ça, comme Maud l'a présenté, c'est facile. On fait 10 tablettes, elles sont bonnes. Elles ont des bonnes intentions de reconsommation. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu la partie R&D qui est cachée sous ce développement. Partie R&D qui a duré un petit peu plus de 18 mois quand même avec une équipe dédiée à Perpignan. Un petit groupe, on a travaillé un petit peu en start-up pour essayer de sortir de la boîte. Pour travailler un chocolat, quel qu'il soit, mais bio, c'est encore plus vrai parce que toutes les origines bio et toutes les façons de traiter le cacao bio n'est pas toujours satisfaisante. Donc pour développer cette gamme, on dispose d'un certain nombre d'origines. C'est ma palette cacao, en fin de compte, avec des notes aromatiques particulières. Vous voyez que ces origines sont choisies dans des pays réputés pour le cacao fin, donc des notes très aromatiques, florales. C'est le cas de l'Équateur, du Pérou, de la République dominicaine. Et puis, seule petite île là au large de l'Afrique de l'Ouest, Sao Tomé. Mais on se rappelle que Sao Tomé, c'est la première île cacao au monde. Ça s'appelle l'île Chocolat, d'ailleurs. C'est par là que le cacao est arrivé en Afrique. Donc un cacao originel aussi. Une sélection de ces zones et de ce cacao par rapport à la palette aromatique présente, mais aussi par rapport au côté engagé des producteurs, engagé de la filière et éthique aussi. Aujourd'hui, on peut regretter qu'un certain nombre de pays s'engagent dans le bio avec peut-être pas forcément, en tous les cas, la vision durable et éthique que le groupe C'est Moi partage. Donc, une grosse sélection de à la fois de ces zones, du cacao, de la filière, mais aussi des producteurs et de toute l'organisation paysanne engagée autour de ces cacaos. Une fois qu'on a la palette aromatique, encore faut-il les assembler. Alors, je ne parle pas de blend, parce que souvent, un blend de cacao, c'est pour cacher des mauvaises notes aromatiques. Un assemblage, c'est un petit peu comme le vin. On a différents cépages et on va mélanger ces cépages pour faire ressortir soit des notes de tête fruitées, soit des notes florales, soit des notes de fin de bouche, en mélangeant des différents cacaos ou en utilisant, comme pour la gamme Équateur, enfin dégustation, c'est un cacao Équateur parce qu'on voulait mettre en avant la partie fruitée florale. Donc vous avez des photos qu'on voit mal, je le regrette, parce que souvent on parle du maître chocolatier avec sa grande toque. Nous, c'est une dame. Alors il faudrait inventer le nom, maître chocolatier. Maîtresse, ça ferait pas terrible. Mais en tous les cas, c'est notre maître chocolatier qui a travaillé à ces différents assemblages de cacao. Le cacao en lui-même n'est pas le seul ingrédient, forcément. C'est l'ingrédient porteur de l'aromatique, mais cette aromatique est décuplée et mise en avant par d'autres ingrédients. Nous avons sélectionné avec la même attention l'ensemble de ces ingrédients, notamment un lait bio origine française. Donc là, il y a eu un gros travail avec notre fournisseur laitier, mais aussi, comme vous le voyez, le beurre de cacao, très important pour amener la bonne fonte. Sucre de canne, lui aussi bio et durable, bien évidemment. Et puis, vous voyez qu'on a essayé de travailler au maximum dans la tendance qu'on appelle clean label. En fait, c'est revenir aux ingrédients traditionnels, moins d'additifs possibles, des arômes, si possible, naturels. Et là, nous sommes essentiellement sur de la vanille bio naturelle. Donc, c'est l'ensemble jusqu'au packaging qui a eu cette réflexion bio. Donc, ce qui fait la force de cette gamme, c'est non seulement qu'elle soit inscrite, comme tous nos produits, dans Transparence Cacao, une traçabilité qui va du producteur jusqu'au consommateur. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, je vous engage, j'en prends la responsabilité. Vous m'envoyez un numéro de lot de n'importe quelle de ces tablettes, je vous dirai quels sont les producteurs de cacao,
qui ont permis de fabriquer cette tablette. Je vous donnerai leur nom, le nombre d'enfants, où ils vivent, le nombre de parcelles, et je vous enverrai la géolocalisation sur Google Earth de leurs parcelles. C'est un engagement que je prends vis-à-vis de vous. Voilà. Restons modestes, Patrick. Moi, je dis qu'on peut le faire. Si les autres veulent relever le challenge, ils peuvent aussi. Le prix, alors ces tablettes vont être vendues en prix kilo en moyenne entre 21 et 23 euros le kilo, ce qui veut dire qu'à la tablette, on sera entre 2 euros et 2,40 euros à peu près pour un bloc. Pour le familial, 1,99 pour le dégustation, 2,49